Frédéric Chodorowski, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes cofondateur d'ApoYogo. Oui, tout à fait. ApoYogo, c'est une jeune entreprise dans le domaine du financement participatif. Oui, c'est une plateforme voilà, de financement participatif basée au Mans. Basée au Mans. Quelles sont vos spécificités? Alors, on a deux spécificités principales. ApoYogo se veut plateforme régionale. Alors, dans régionale, en fait, nous soutenons des projets qui sont situés sur le Grand Ouest. Alors, pourquoi uniquement se contenter de projets situés sur le Grand Ouest? Parce que, de par notre expérience et nos responsabilités précédentes, nous avons compris que la proximité était un atout primordial dans les échanges qu'on pouvait avoir entre porteurs de projets et investisseurs. Et vous vous adressez à quel type d'entreprise? On s'adresse aussi bien à des auto-entrepreneurs qu'à des startups ou des entreprises en développement. Pourquoi? Parce que nous avons choisi comme modèle de proposer trois types de financement. Le financement de type don contre don, don avec contrepartie, le prêt participatif ainsi que la souscription de titres de TPE-PME. Donc les trois champs finalement de financement participatif. Voilà, tout à fait, qu'on peut proposer aux porteurs de projets. Et dans ce cas-là, ils peuvent choisir un, deux ou voire trois modes de financement pour leur campagne. Vous vous êtes lancé quand? Alors, le projet, ça fait à peu près 2 ans qu'on travaille sur le projet. La plateforme est réellement en ligne depuis le mois de septembre. D'accord. Donc, nous avons 4 projets qui sont en cours de financement à ce jour et 10 projets qui devraient être mis en ligne d'ici janvier. Les montants moyens, typiquement? Alors, je dirais moyen, on n'a pas vraiment de moyenne. On va aujourd'hui de 20 000 à 250 000 euros. D'accord. Et le profil des investisseurs, sont des investisseurs locaux? Oui, alors on a beaucoup de personnes qui sont situées sur la région. Alors, Bretagne également, Charente un peu, mais vraiment région Pays de Loire, parce qu'ils ont compris que pour redynamiser une économie, il fallait réinvestir dans les entreprises locales. Et la plateforme ApoYogo aujourd'hui le permet de recentrer en fait l'épargne populaire sur une économie territoriale. Quel conseil vous donneriez à un chef d'entreprise qui souhaite lever des fonds de cette manière sur votre plateforme? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche? Oh, il y a plein de choses. Je pense que le contact est hyper important. La proximité ne faisant pas tout, il faut des échanges. Donc c'est pour ça que nous invitons tous les porteurs de projets déjà à nous rencontrer. Nous étudions leurs demandes, nous validons leurs demandes. Dans certains cas, nous analysons les points forts, les points faibles et nous allons retravailler les points faibles. Le but n'étant pas de donner une réponse négative à un porteur de projet, mais lui apporter toutes les solutions possibles pour qu'il réussisse sa campagne. Il y a une sélection à l'entrée des projets? Comment ça se passe? Oui, alors on effectivement une sélection qui est relativement simple. On exclut tous les projets qui ne sont pas situés dans notre zone géographique et les projets un peu farfelus ou en dehors de l'Union européenne ou de la France. Donc partant de là, le projet est proposé à un comité de sélection qui va analyser en fait le projet et définir des points forts, des points faibles. Et comme je l'expliquais, en fait, nous retravaillons les points faibles pour avoir un projet très, très séduisant pour les investisseurs. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. Merci beaucoup à vous. Au revoir.